Il y a un an tout pile, Jean-Luc Reichmann perdait sa maman. Aujourd'hui toujours en deuil, l'animateur a tenu à rendre hommage à celle qui lui a donné la vie en postant un émouvant message sur son compte Instagram. Depuis que sa mère saine est allée, en août 2022, Jean-Luc Reichmann ne parvient pas à faire son deuil. Dévasté par la douleur de l'absence, l'animateur prend régulièrement la parole afin de rendre hommage à celle qu'il considère comme l'une des femmes de sa vie. Ce lundi 7 août 2023, le présentateur des 12 coups de midi s'est emparé de son compte Instagram pour y publier une photo d'archives et quelques mots tendres. Sur le cliché en couleur, on peut donc apercevoir sa maman Josette ainsi que son papa, tous les deux décédés désormais. Un vide vertigineux que Jean-Luc Reichmann a bien du mal à supporter, malgré le fait qu'il soit très bien entouré par ses enfants et sa compagne Nathalie Lecoutre. Coucou maman, tu me manques tellement. Une année est déjà passée, une année que tu as rejoint papa, et depuis, sans toi, sans vous, tout semble si fade, si vide, tellement ordinaire. Sans ne plus pouvoir partager avec toi, sans pouvoir rire avec toi, a-t-il écrit dans un premier temps. Pour le papa de Rosalie et Swan, ce qui est le plus dur à supporter c'est de ne plus passer tous ces petits moments simples en compagnie de sa maman dont il était si proche. Ne plus écouter ta voix, tes expressions, ne plus passer des heures ensemble à échanger nos regards sur la vie, à se moquer du regard des autres, moi à te rassurer, toi à me dire sans cesse d'en profiter, et surtout de ne pas me tracasser car la vie passe si vite. Trop vite, a-t-il continué avec émotion. Si le temps apaise la douleur, Jean-Luc Reichmann sait déjà avec certitude qu'il ne pourra jamais guérir totalement cette blessure béante dans son cœur. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné l'envie, tu m'as donné ce grain de folie qui m'a permis d'être aujourd'hui ce que je suis, mais il faut que tu saches que cette insouciance de la vie s'est arrêtée le jour où tu es parti. Ce vide est toujours aussi insupportable à combler. Maman, je ne te l'ai peut-être pas assez dit, mais tu le sais d'où tu es. Je t'aime pour la vie éternelle, a-t-il conclu avec peine. Pour rappel, c'est le 11 août 2022 que Jean-Luc Reichmann annonçait le décès soudain de sa chère maman, à l'âge de 88 ans. Maman, aujourd'hui je pleure, mon cœur ne brille plus, le tien s'est éteint. Ce soir, ta place sera vide à la belote, car tu es parti rejouer avec papa, écrivait-il alors, effondré. Et depuis un an, il ne cesse de penser à celle qui lui a donné la vie.